Hey, good morning, everyone. This is Roger. We're actually today checking out of Potenza and continue our story of the Dita Dodgers. Today we're making our way to Campobasso, but we're gonna go to toward Foggia or Foggia. I'm not sure how to say it. Foggia to make our way from the east back to Campobasso, where the line of advance that the Canadians took. All right, so we're gonna back up the car to the hotel and we're gonna load our luggage, get ready to roll. You know what they say? Light, freeze at night. That's it. Every excuse is a good excuse. Good day everyone, bonjour tout le monde, ici Roger et bienvenue à ce nouvel épisode de BIA D-Day Dodgers du Canada. Je suis maintenant dans le village de Lucera et c'est à partir d'ici que les Canadiens ont poursuivi leur avance jusqu'à la ville de montagne de Campobasso. C'est depuis ce point de vue pittoresque du château de Frédéric II, à ma droite, que les Canadiens, la première division d'infanterie canadienne, a commencé son avance vers le village de Monte Corvino. Général Vaux, le nouveau commandant de la division canadienne, a décidé d'utiliser la même tactique qu'on a utilisée de Reggio jusqu'à Potenza, ces colonnes rapides qui donnaient un punch incroyable. Alors, le lieutenant-colonel Nouritsos du Calgary Tank Regiment était le commandant de cette colonne rapide. Accompagné, l'élément principal était le Royal Canadian Regiment et plusieurs unités de soutien qui rajoutaient au pouvoir de feu et à la rapidité de cette unité. Mais là, on est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase, comme on a dit auparavant. Et les événements qui s'en viennent vont vraiment être déterminants dans l'avance jusqu'à Campobasso. La première division d'infanterie canadienne est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de la guerre qui sera encore plus exigeante. La 10e armée allemande est sur le point d'établir des lignes défensives massives que les Alliés appelleront la Gustav Line et la Winter Line. Depuis qu'on a débarqué en Sicile, les Red Patch Devils ont combattu primordialement dans des terrains montagneux. Et une fois de plus, Montgomery va dépendre de ses chèvres de montagne. Et cette fois, ils seront testés jusqu'à leurs limites. Lorsque les Canadiens sont partis de Lucera le matin du 1er octobre pour avancer vers Mota, Monte Corvino, ils ne savaient pas encore que ce village était défendu par les mêmes parachutistes qui avaient défendu la ville de Potenza. Lorsque l'escadron A du Princess Louise sont arrivés à la base de la route en zigzag qui monte vers le village, ils ont été engagés par des tirs de mitrailleuses et des tirs de canons anti-char. Les troupes ont débarqué de leur véhicule, ont fait une reconnaissance rapide et ont déterminé qu'il y avait plusieurs positions de mitrailleuses et de canons de char tout au long de la route en zigzag. Alors, on a décidé de faire une attaque combinée, les chars du Calgary Tank Regiment avec une compagnie de Royal Canadians.
Quelques canons de la 10e batterie d'artillerie de campagne faisaient aussi partie de cette avance. La compagnie de Storm Galloway, appuyée des chars, sont montés vers le village. Mais à un moment donné, il y avait tellement de tirs de mitrailleuses qui venaient des collines adjacentes de la ville que ça a séparé les chars de l'infanterie. Les chars ont poursuivi la route vers l'intérieur du village. À un moment donné, le lieutenant Charbonneau s'est mérité la médaille militaire pour avoir détruit à bout portant un canon anti-char. Storm Galloway, lui, pas capable de continuer vers l'avance, puis réalisant qu'il ne pouvait pas prendre le village avec seulement avec deux pelotons, on a décidé d'arrêter l'attaque et on a attendu à la tombée de la nuit pour poursuivre en ajoutant une compagnie additionnelle de Royal Canadians ou d'infanterie. Tandis que les Sherman du régiment de Calgary poursuivaient leur avance au nord du village, ils furent engagés par un canon anti-char qui anéantit 6 Sherman en succession rapide, à partir d'une position de tir parfaite. La bataille, qui a duré environ 18 heures, qui s'est ensuivie, aura coûté la vie de 7 Royal Canadiens et autant de blessés. Ceci fut le premier engagement majeur des Canadiens sur le sol italien et fut une démonstration de l'efficacité des nouvelles tactiques de retardement qui allaient contrecarrer l'avance à partir de maintenant. Hey, bonjour tout le monde. En ce moment, on est en bord du pont des 13 Arches que les Canadiens ont traversé en 1943 et puis aux abords de la rivière Fort Torre. À partir de ce moment-ci, à partir de Lucera jusqu'au pont, c'était la première brigade qui menait l'avance avec le Royal Canadian Regiment, 48th Highlanders et toutes leurs unités de support. À partir d'ici, ça va être la 3e brigade qui va prendre les devants. Le Carlton and York Regiment, le West Nova Scotia Regiment et, of course, le Royal 22e. Alors, ce pont-là, en 1943, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas de forêt comme là, fait qu'on pouvait le voir d'une longue distance. Fait qu'on va se déplacer d'une photo qui a été prise en 1943 pour pouvoir voir exactement qu'est-ce qui est l'avance à partir de ce moment-ci. Allons-y! Je sais pas s'il y en a de vous autres qui ont déjà regardé le film Heartbreak Ridge avec Clint Eastwood. Mais je veux dire, la campagne d'Italie, là, c'est Heartbreak Italie. Écoute, les soldats qui ont traversé de Lucera jusqu'à Campo Basso dans les mois d'octobre, il n'y a plus beaucoup, et puis tout est en boue, les champs sont en boue, labourés. En plus, leurs bottes étaient pleines de boîtes, leurs vêtements, leur équipement, même les armes. Ça devait être tout le temps un défi, en plus d'avoir à combattre. Tout mon respect aux Canadiens de la campagne d'Italie. Après leur première rencontre avec l'ennemi à Motta Montecorvino, les Canadiens ont poursuivi leur avance vers Monte Sambuco, Volturara et San Marco. Après 5 jours d'avance, ils sont arrivés aux abords de la rivière Fort Torre, où il y a un pont à 13 arches qui est derrière moi, que les Allemands avaient fait sauter. Les Canadiens ont essayé de traverser la rivière. À ce moment-là, la 3e brigade, en fait, a pris la relève de la 1e brigade. Et le Royal 22e Régiment, en traversant le lit de la rivière, pour avancer de l'autre côté, ont été engagés par les Allemands. Et puis, on n'a pas été capable de continuer. Il a fallu qu'ils reculent. On a attendu jusqu'au lendemain. Et le Carlton and York Regiment se sont mis sur le flanc droit pour aller vers Cambetessa. Et le West Nova Scotia Regiment sur le flanc gauche vers Topo Fornelli. Simultanément, le Royal 22e Régiment, lui, s'est déplacé à travers montagne pour aller vers le village de Yeltsi. Après un combat de 24 heures à Cambetessa, les Carlton and York Regiment auront perdu 12 hommes tués et 16 blessés. Du 9 au 12 octobre, la 2e brigade a repris l'avance et ont avancé l'avance finale jusqu'à Campo Basso. Et le 13 octobre, la 1e brigade était prête à entrer dans la ville de Campo Basso. Tout au long de l'avance, les Canadiens étaient frustrés parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient assez vite vers Campo Basso.
Ça les aurait rassurés beaucoup s'ils avaient lu le journal de guerre de la 29e Panzer Division qui disait qu'il avait noté que les Canadiens apparaissaient toujours derrière eux, et ce qui explique l'avance rapide de l'ennemi. Germans hastily evacuated Campobasso, and the population cheered the Canadians as they moved triumphantly in. Hey Roberto, t'es où? Ah, le voilà! Enchanté, mon chum! Hey Roberto sera notre guide à Campobasso aujourd'hui. Welcome in Campobasso. Merci! October 14, 1943. Et ils ont renommé la ville Canada Town ou Maple Leaf City. They gave it a new name, Maple Leaf City. It had baths and beds and movies of a girl from Winnipeg. Ils ont aussi renommé les rues avec des noms anglais, par exemple. Cette rue s'appelle Scarpatessa. Et en 1943, elle s'appelait Scarch Street. C'est la seule qui reste. Ah, c'est la seule qui reste? Campobasso, en 1943, est devenu un centre administratif et logistique très important pour les Canadiens et aussi un endroit récréatif. Pour les soldats, par exemple, ce théâtre, en 1943, est devenu le théâtre Savoya. Nicknamed Canada Town, and the RCMP directed traffic at the local Piccadilly Circus. Roberto me montre une photo d'un policier militaire qui dirige le trafic. Je vais aller me placer exactement au même endroit. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que si l'expresso est bon, le sucre reste sur le dessus. Ah! Il reste! Bon job! Right on! You did good! Roberto, où nous sommes, c'est un endroit bien spécial, n'est-ce pas? Oui, un endroit très spécial, parce qu'en 1943, ce bar, le Lupacio Li Gran Café, a changé son nom pour le Crow's Nest Pop Club, okay, pour les soldats canadiens. Et pour les militaires, en fait, c'était important pour les soldats d'avoir un peu de vie normale. Dans la ville, ils pouvaient bien manger, relaxer dans les différents clubs, les pubs, comme le Théâtre Savoya. Par exemple, pendant les soirées, les soldats et les filles de Campobasso dansaient dans les clubs et le théâtre, le boogie-boogie. Boogie-boogie. Et cela se passait dans ce secteur, autour. Je peux juste m'imaginer, si j'étais un jeune soldat, à 20 ans, je viens de sortir du front après avoir combattu pendant des mois. Et c'est la première fois que je viens ici pour relaxer. Je pense que la première chose que je ferais, ce serait de prendre un bon bain chaud.
Et comme tu le mentionnes, c'est merveilleux qu'ils aient pu avoir une place comme ici pour... Et comme tu dis, d'avoir eu un peu de normalité dans leur vie. Et une place pour oublier la guerre, relaxer et se faire des amis. Et probablement des petites amies aussi. Ça a dû être un temps merveilleux. Hey, merci pour l'hospitalité des Italiens et les citoyens de Campo Basso. C'est super! Merci Roberto pour m'avoir fait découvrir. Merci beaucoup pour nous avoir partagé ces moments uniques de notre histoire canadienne, de l'Italie aussi, ainsi que la ville de Campo Basso. En conclusion, pour conclure, nous allons nous asseoir sur un banc de parc et je vais vous partager une anecdote très intéressante que j'ai découverte en faisant mes recherches. Roberto, je tiens à te remercier pour nous avoir guidés aujourd'hui et nous avoir éduqués sur l'histoire de Maple City, Canada Town. Ce sont des faits de notre histoire que nous devons apprendre. Il y a quelque chose, par contre, que j'aimerais partager avec toi, que peut-être tu ne sais pas. Le 13 octobre, le brigadier Graham, qui était le commandant de la 1ère brigade, a reçu la visite du général Dempsey, qui était le commandant du corps. Il lui dit que s'il capturait Campo Basso avant le 15 octobre, qu'il allait lui remettre personnellement une bouteille de Marsala. Le Marsala, c'est un vin sucré de la Sicile que les Canadiens ont découvert pendant Opération Husky. Et bien sûr, Graham était content de cette offre. Et puisqu'il est entré dans la ville le 14 octobre, il s'est assuré que le général Dempsey soit au courant. Et le général garda sa promesse et lui apporta une bouteille de Marsala. Mais, malheureusement, brigadier Graham, en déposant la bouteille au bord de sa table, elle tomba et éclata au sol. Et il n'a même pas eu la chance d'en prendre une gorgée, même pas une goutte de son marc. Alors aujourd'hui, en l'honneur du brigadier Graham, de Campo Basso, des soldats du Royal Canadian Regiment et de tous les Canadiens de la 1ère division, ensemble, nous allons faire un toast avec ce Marsala. Alors voilà, brigadier Graham, nous vous portons ce toast. Cheers! It's before the 16th century, so I think it's 12th century. Because the structure is typical. Those Normans, I'm telling you, they were everywhere. This is the highest point to look over Campo Basso. Wow. This is the direction they came. Hey, bonjour tout le monde. Maintenant, je suis au sud de Termoli. Je suis en train de marcher sur le pont qui traverse de Campo Marino jusqu'à Termoli, au-dessus de la rivière Biferno. La bataille de Termoli est une bataille importante dans l'histoire du régiment de Trois-Rivières, 12e RBC. Et pourquoi? Parce que c'est la seule unité canadienne qui a participé à la bataille de Termoli. Et puis, on veut la mentionner parce que c'est vraiment une bataille importante et qui a été très décisive. Et puis, c'est grâce au régiment de Trois-Rivières que cette bataille-là a probablement été gagnée. Je suis maintenant sur le pont au-dessus de la rivière Biferno et on peut voir des photos d'époque où on voit des tanks des Sherman du régiment de Trois-Rivières qui traversent la rivière. Bref, tout ce que je me tiens pour aller vers Termoli pour supporter les trois brigades de la 78e division britannique.
Fait qu'on va s'en aller à Termoli et puis je vais vous raconter comment la contre-attaque de ces forces alliées-là a vaincu les Allemands dans cette grande bataille décisive. Les commandos royaux de la marine britannique ont débarqué à Termoli et ont pris le village de façon très facile parce que la ville était seulement défendue par une compagnie de chemin de fer et un peloton de parachutistes. La bataille s'est résolue assez rapidement et un peu plus tard dans la journée, la 11e brigade de la 78e division britannique ont rejoint les forces spéciales et ont établi une tête de pont à l'extérieur de la ville. La réaction allemande fut un peu lente, en fait trop tardive, et le commandant de la garnison de Termoli, appelant à l'aide, la 16e division de Panzer a été dispatchée pour venir reprendre la ville de Termoli. Hitler lui-même a donné des ordres pour dire que Termoli devait être repris à tout prix et que l'échec n'était pas une option. Dans les déroulements de la bataille qui vont s'en suivre, nous allons découvrir comment le régiment de Trois-Rivières a sauvé cette bataille décisive et assuré que Termoli reste dans les mains des alliés britanniques et canadiens. En ce moment, je suis au village de San Giacomo, qui était l'objectif principal de l'escadron B et l'escadron C du régiment de Trois-Rivières le 6 octobre. La soirée du 5 octobre, tous les trois brigades de la 78e division d'infanterie avaient traversé la rivière Biforno pour prendre leur position de départ pour l'attaque du matin du 6. L'escadron A était attaché avec le Irish Rifles et leur ligne d'avance allait être le long de la côte jusqu'à la rivière Torrente Sinarca. L'escadron B, lui, était attaché avec le Royal Irish Fusiliers et leur ligne d'avance allait être à partir de Termoli sur la route principale en direction directement vers ici, San Giacomo. L'escadron C était attaché avec le Royal London Yeomanry et leur ligne d'avance partait de leur point de débarquement où ils avaient débarqué à l'autre côté de la rivière Biforno et s'en venait vers le plateau de la Croix qui est derrière moi, Piano de la Croce in Italie, et pour arriver vers le sud, vers San Giacomo aussi. Tout au long de l'avance sur ces deux axes, l'escadron B et l'escadron C, qui supportaient l'infanterie, n'ont perdu aucune chance, n'ont pourri aucune chance et ont engagé tout ce qui était une cible d'opportunité, que ce soit une meule de foin, un véhicule blindé, un char, tellement que l'escadron B a été crédité d'avoir détruit 8 Panzer IV, 8 chars allemands ennemis. En fait, le régiment de Trois-Rivières a été tellement essentiel à la victoire de Termoli et San Giacomo que le commandant de la brigade irlandaise a remis au commandant du régiment de Trois-Rivières son fanion de commandant, tellement ils étaient reconnaissants de leur support. Pendant le restant du mois d'octobre jusqu'à la milieu novembre, les Canadiens ont consolidé leur position autour de Campo Basso. Vers le 20 novembre, la 3e brigade fut ordonnée de conduire des opérations offensives au nord vers les régions hautes de la rivière Saint-Gros. Pendant ce temps-là, le restant de la division canadienne bougea ses effectifs vers la côte adriatique en préparation d'une grande offensive pour briser la ligne Gustave et la ligne Bernard. Qu'est-ce que le général Montgomery n'a pas calculé dans son plan fut la résistance féroce de la 10e armée allemande et les pluies torrentielles du mois de novembre et du mois de décembre 1943. Alors restez des nôtres pendant que nous continuons notre périple
Pour BI et DD Dodgers du Canada, ici Roger. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, Custos Memorial.